pour moi, ça va être un soutien. Hein. Enfin, à mon avis, il n'y a aucun souci sur ce sujet, sauf si effectivement il y avait des directives que je ne crois pas, qui sont totalement contraires à notre esprit. Lesquelles, hein, par exemple, la retraite. Voilà, les retraites. Je veux dire, on va pas revenir chaque matin, chaque soir, chaque midi sur ce dossier. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des dossiers très urgents, on va quand même pas s'amuser à revenir sur des dossiers qui pour moi, ont fait l'objet de longs débats, enfin, tout du moins au Sénat, hein, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est plus la pagaille que des débats. Mais donc, on va pas revenir là-dessus. Et penchons-nous sur les dossiers qui sont aujourd'hui ouverts et qui ne sont pas fermés. Je pense, par exemple, à la loi d'orientation agricole, qui a été examinée à l'Assemblée nationale, pas chez nous. Je pense à la loi sur le logement. Je pense à la loi sur la fin de vie. Je crois qu'il y a des priorités à définir. Et puis, n'essayons pas de faire croire aux Français que demain, on va raser gratis. Vous savez pourquoi les Français nous en veulent? Parce qu'on leur fait croire à un moment donné qu'il n'y a pas de problème. Il suffirait simplement que vous puissiez nous élire et puis que demain, on va transformer l'eau en vin et qu'il n'y aura plus de problème.